Voici la collection de Pierrette et Guimandard, que c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui va les voir sur la télévision. So, visionnez parce que il y en a dedans. There we go. Pourquoi c'est unique? C'est parce que c'est la seule vraiment collection ou archive de les artistes franco-ontariens. Comme Pierrette a commencé 50 ans passés. Ça, c'est le plus vieux qu'on a, 1973. J'ai au-dessus de 140 cartables. Ça, c'est le dernier compte. Faudrait que je continue à garder, voir vraiment combien j'en ai. Moi, savoir même que je commence à mettre des articles dedans. Là, j'ai commencé à mettre les derniers articles que Pierrette avait découpés. C'est en préservation parce qu'elle sent ça, ils m'ont mis tout de jaune. Puis là, je suis après à les mettre dans les plastiques. Après ça, ça va être les mettre dans les cartables. Comme vous voyez, là, la boîte est pleine. Puis il faut chercher tout ça, là. Ici, ça, c'est le cartable de Pad. Parquet est mort de merde. Enfin, des vieux souvenirs. Les cartables sont d'après le nom de le deuxième nom de l'artiste. Comme Robert Parquet, ça va être en dessous de Robert Parquet. Après, tu as Steph Parquet. Ça continue. C'est pas seulement les articles de journaux, c'est qu'il y a nos propres photos à nous autres qu'on prend. Damien Robitaille, au Festival du Loup, 2003 à La Fontaine. Je me mis une date, puis je veux aller au CCRF. C'est un centre d'archives. Même moi et ma femme, on a parlé avant son décès, on parlait justement de ça. Où est-ce que ça va aller? Puis vous vous sentez plus proche de Pierrette en faisant ça, Guy? Oui. C'est pour ça, cette année, j'ai le prix Nouvel Ontario. Puis, ça fait 8 ans qu'ils n'ont pas donné le prix Nouvel Ontario. La vie continue.